beat so twinky, bitch. Dès que je démarre le live et on démarre le thème, vous allez pouvoir nous appeler directement. Voilà, alors le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la fin de l'année, il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire des résolutions. Ce live, on l'a fait directement sur Insta, donc bonjour les gens d'Insta. Je pense qu'elle n'est pas commencée là, mais bon, sur Insta, je ne sais pas. Une erreur, c'est produit, je ne sais pas ça. Donc la vidéo elle est sur Insta et sur le live de Facebook. Voilà, donc on démarre. Vous savez, la nouveauté apporte quelque chose de très positif, mais ça apporte aussi son lot de stress, etc. On vient de lancer ce nouveau concept, donc la première émission va être un petit peu une période d'adaptation pour tout le monde. Je voulais vous dire que vous allez me poser des questions et je vais y répondre live, ça sera un petit peu un coaching. 1. Posez-moi les questions dans le cadre du thème. 2. Posez-moi les questions courtes, mais des loufillages ou même filtres trop longues, histoire que je puisse quand même vous suivre. D'accord? Alors, est-ce que vous savez que 95% des personnes arrêtent leur résolution autour du 15 janvier? Autour du 15 janvier, 95% des personnes arrêtent. Pourquoi? Parce que soit pas très motivées, soit parce qu'ils sont rebasculés dans leur routine, soit pour d'autres raisons. Alors aujourd'hui, mon souhait, mon rêve, c'est de pouvoir vraiment vous accompagner pour que cette année 2018 soit une année exceptionnelle, que vous puissiez en faire une année de vos réalisations, de vos rêves, mais ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie et surtout ça va prendre de la décision. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens essayent de changer. Mais en fait, quand on essaie de changer, c'est la mort. Parce qu'on ne peut pas changer qui on est. Par contre, on peut progresser. Et c'est pour ça que les personnes ont du mal. Elles essaient de changer jusqu'au moment où ils disent « Mais je ne peux pas, je suis comme ça et je ne peux pas. » Par contre, progresser, c'est possible. Tout le monde est capable de progresser d'un point A à un point B. Et c'est ce qui motive généralement l'humanité, c'est le progresser. Qu'est-ce qu'on fait pour être une meilleure personne, avoir un meilleur corps, de meilleures finances, un meilleur job, réussir l'éducation de la meilleure manière qui soit de nos enfants, etc. Mais je me suis rendu compte que beaucoup de gens, en fait, au lieu d'avoir des résolutions, je ne sais pas si c'est votre cas, au lieu d'avoir des résolutions, ils ont des wish lists, des listes de rêves, qui sont basés sur ce que j'aimerais faire un jour, etc. Mais ça n'est pas des résolutions. Il n'y a que des résolutions qui vous poussent, en tous les cas, à avancer. En attendant, on est un peu plus loin. Je voudrais savoir d'où vous venez. Les gens qui sont avec nous, il y a combien de personnes? Voilà, de savoir est-ce que vous venez de Casa, de Rabat, du Maroc, de l'étranger, etc. Partagez avec moi votre vie. Depuis quel endroit êtes-vous connecté? Alors aujourd'hui, je suis venue avec quelque chose de très pratique. Parce que je n'ai pas envie que votre année 2018 ressemble à 2017. Peut-être que pour certains, l'année a été top, mais faites en sorte pour qu'elle soit encore meilleure, qu'elle soit extraordinaire, qu'elle soit juste magnifique. Pour d'autres, c'était peut-être une année bof, pour d'autres, c'était une année catastrophique. Alors pendant cette heure, je vais vous donner un process qui est juste génial. Rappelez-vous, je ne donne rien que je n'applique pas moi-même. Je suis le premier cobaye. Donc, généralement, quand quelque chose ne marche pas, je ne partage même pas. Je ne partage que les choses que j'ai faites, que j'ai testées et qui m'ont donné du résultat. Donc,
Si vous avez des choses qui vous distraient, en ce moment, vraiment, coupez le son des téléviseurs. Je veux vous avoir focus et avoir toute votre attention. Si vous avez à portée de main, feuille, stylo, c'est maintenant, d'accord? Et alors, on me dit qu'on a des personnes qui sont de Casa, de Los Angeles, Jdida, Rabat, l'Algérie, Essi, Marrakech, Marhaba Bennas, Kalmin, quel que soit l'endroit, quel que soit l'endroit du monde, de la planète. Merci de nous suivre, merci pour votre confiance. Alors, la première des choses qui va vous aider à avancer vers là où vous voulez aller, c'est d'abord avoir une vision très claire. Si vous n'avez pas de vision, vous êtes mort. Parce que tous les jours, vous allez vous réveiller, ce sera un jour qui se ressemble, et vous allez être emporté, transporté, ballotté par les aléas de la vie. Il n'y a que quand vous avez une vision claire, vous savez où vous voulez aller, que vous vous donnez les moyens de le faire. C'est très simple. Imaginons un seul instant, si je vous mets une paire de chaussures au pied, et je vous demande de courir sans aucun objectif, sans vision, sans rien du tout, vous n'allez même pas pouvoir peut-être tenir un kilomètre ou deux parce que vous ne savez pas à quel moment ça s'arrête. Vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas combien de temps vous allez devoir déployer une énergie avant que d'arriver à la ligne d'arrivée. C'est pareil. C'est pour ça qu'il y a des semi-marathons où vous vous préparez psychologiquement à faire 21 km, ou alors il y a des marathons et c'est 42 km. Et vous ne générez pas votre corps et votre énergie de la même manière pour un semi-marathon, pour un marathon. Et bien dans la vie, c'est pas différent, c'est exactement la même chose. Si vous n'avez pas de vision claire, et bien vous n'avancez nulle part. Ce que j'appelle une vision, c'est pas encore les wishy-washy, petits rêves, non, c'est vraiment une vision qui, quand vous y pensez, ça vous prend par l'estomac, ça vous prend par le cœur, vous en rêvez, vous êtes obsédé. La fois dernière, j'ai eu une dame qui est venue ici, une cliente, et son histoire, j'ai envie de la partager avec vous parce qu'elle m'a beaucoup impressionnée. C'est la seule que j'ai deux clientes qui viennent me voir en jet privé. Et elle est marocaine et elle habite en Italie. D'accord? Je ne vais pas en dire plus. Mais elle avait toujours un rêve. C'est de vivre une vie de princesse. Et elle vit actuellement vraiment une vie de princesse. Et je me suis posé la question quand on a fini le coaching, etc. Je dis, est-ce que tu peux m'offrir la possibilité d'avoir un petit café avec toi? Parce que moi, j'adore modéliser les gens pour savoir comment ils ont fait pour arriver là où ils sont arrivés. Et toi, ta réussite, elle est juste extraordinaire. Tu n'as même pas 30 ans. Tu vas me permettre m'aider à mieux comprendre le mindset de l'humain. Et surtout, ton exemple, je vais pouvoir le raconter pour aider d'autres personnes. Je dis, pas de problème, pose-moi toutes les questions, I'm all yours. Dis-moi ce que tu veux savoir. J'ai dit, mais on fait comment pour devenir une princesse? Parce que t'as vraiment une vie de princesse, les maisons partout, les yachts, les bateaux. Et elle est heureuse, parce que je n'aurais pas essayé ou demandé de la modéliser si je la sentais malheureuse. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Eh bien, tu sais, depuis que j'ai l'âge de 7 ans, je passais, à chaque fois que je luttais devant le miroir, je passais mon temps à rêver à la vie de princesse que j'allais avoir. Et je dis, ça faisait comment dans ta tête? Elle me dit, ben, je me voyais, j'avais des maisons partout, des décoratrices partout, j'avais du personnel de maison, j'avais un mari magnifique, j'avais des bateaux, des voitures, etc. Et elle m'a dit, toute ma vie, je n'ai rêvé que de ça. Mais à chaque fois, j'ai tout fait pour avoir une mention, parce qu'il ne fallait pas que je fasse mes études au Maroc, parce que j'étais persuadée que mon prince charmant, j'allais le retrouver à l'étranger. Donc j'ai tout fait pour avoir une mention. J'ai obtenu une bourse parce que j'ai eu une mention exceptionnelle. Dans la bourse, je suis allée travailler dans un ministère aux affaires internationales pour rencontrer quelqu'un dans le business, et finalement, c'est ce qui est arrivé. Et cette vision-là, c'est ça qui l'a maintenue en vie pendant plus de 30 ans. Enfin, un peu moins parce qu'elle a commencé à arriver à l'âge de 7 ans et elle s'est mariée à l'âge de 25 ans. Et c'est ça dont je vous parle. Si vous n'avez pas de vision, elle, son rêve, c'est de vivre une vie de princesse. Super, il y en a qui ont des rêves d'être un sportif de très haut niveau, un enseignant, un médecin, peu importe, j'en sais rien. Chacun crée son bonheur là où il est, il le voit là où il est. Mais ce que je veux vous dire, c'est
si vous n'avez pas une vision qui vous obsède, que tous les pèlerins sont comme si vous êtes vraiment obsédé par un démon, si vous n'avez pas ce genre de vision claire, spécifique, et elle, à l'âge de 7 ans déjà, elle s'imaginait avec les maisons partout, la décoratrice, les bateaux, les avions, et elle a tout eu. C'est un truc de fou, de dingue. C'est un déjeuner qui était pour moi riche parce que tout ce qu'elle avait imaginé, elle l'a eu et des mères. Donc pour moi, une vision qui vous pousse n'est pas la bonne. Parce que si elle vous pousse, d'accord, c'est que c'est de l'effort. Vous y allez à contre-cœur, comme un petit gamin que vous réveillez le matin pour aller à l'école. La vision doit vous attirer, elle doit vous nourrir, elle doit vous donner beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Quand vous en parlez, vous avez les yeux qui brillent, vous êtes complètement en mode on. Ce sont ces éléments-là qui vont vous donner la possibilité de savoir comment vous vous sentez. Est-ce que votre vision, elle est vivante ou la morte? Parce que si vous en parlez, vous êtes comme ça, « Ouais, non, mais je rêve franchement d'être major de promo, d'être une super... un médecin et que je travaille dans le meilleur hôpital. » Non, non, ça, c'est même pas la peine. Si vous êtes en vision off, il faut que ça soit une vision on. Ça, c'est vraiment la première étape. La première étape à franchir. Après, il y a la deuxième étape qui est très importante, c'est LH. Alors, tout au long, comme c'est notre première émission, moi, j'aimerais vous poser la question. On avait décidé de faire ce live en français. Moi, j'aimerais quand même vous poser la question, est-ce qu'on le maintient en français? Dans quel cas, répondez-moi. Laissez-moi des messages. Ou alors, on fait moitié arabe, moitié français. Ou alors, complètement déjà. Pour le coup, ce live, on va le faire en français. Mais on va tenir compte de toutes vos remarques. Et ce que les sondages vont nous donner, on arrivera pour le prochain live. Donc, la deuxième des choses, il faut avoir des raisons suffisantes. Il faut avoir un why très 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 fort. Si vous n'avez pas un why très 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 fort, ça ne va pas le faire. J'ai mon beau-père, ça doit faire 20 ans, d'accord, que sa femme a tout essayé pour qu'il perde du poids. Elle a placé des cadenas le réfrigérateur. Elle a arrêté d'acheter des choses qui font grossir. Elle s'est imposée, la pauvre, un régime, même si elle n'en a pas besoin, juste pour que son mari perde du poids. Et plus elle utilisait de perdre de poids, moins il le faisait. Plus il avait envie de manger du sel. Jusqu'au moment où je lui dis, maman, tu sais, j'exerce un métier où peut-être je peux t'aider. Tu sais, il faudrait peut-être le laisser toucher sa limite. Et tant que tu ne le laisses pas toucher sa limite, c'est toi en train d'obliger de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Lâche. Laisse faire et tu vas voir ce qui va se passer. Donc, elle a laissé faire, elle a commencé à se faire plaisir, à préparer des petits plats et tout. Jusqu'au moment où il a continué à grossir. Et là, tous les problèmes de santé lui sont arrivés. Il n'arrivait plus à monter les escaliers. Il était essoufflé tout le temps. Il n'arrivait plus à trouver de garde-robe. Ne pouvait plus voyager, était incapable de poser la voiture à quelques dizaines de mètres d'un restaurant pour aller rentrer au restaurant. Et un matin, il s'est réveillé, il a fait « Stop !»« Ma santé est importante, j'arrête de manger, je perds. » Et vous n'allez pas le croire, la fois dernière, je l'ai vu, j'étais là. Oh, il a perdu 20 kilos en 2 mois. Et il a perdu 20 kilos en 2 mois comme du beurre au soleil, ça a fondu. Ça a fondu. Mais pourquoi? Parce que dans sa tête, un moment, il s'est posé la bonne question. Manger ou santé? Santé ou manger? Et il a dit, ah non, la raison maintenant est beaucoup plus forte. Avoir une meilleure santé, recommencer à voyager, recommencer à monter les escaliers, recommencer à être autonome est bien plus important que tout le reste. J'ai une autre histoire, qui est une femme qui est rentrée dans le Guinness des records. Elle était avec son petit garçon en train de ranger le garage, son mari était en train d'arranger la voiture. Et la voiture était soulevée par un cric. Le téléphone sonne, le père rentre pour répondre au téléphone, le gamin joue. Comme tous les gamins de leur âge, il se met sous la voiture, sans faire exprès, il touche le cric, et qu'est-ce qui se passe? La voiture tombe sur le gamin. La maman, horrifiée, elle hurle, elle pleure, elle n'arrive pas.
Mais rien n'y fait, personne n'arrive, son mari au téléphone l'a entendu, les voisins non plus, et elle a fait quelque chose de miraculeux, elle a soulevé la voiture, et elle a sorti son âme. La presse est venue, les voisins sont venus, et on lui a dit, mais comment, c'est pas possible, à 10 on n'aurait pas pu soulever la voiture, à 10 on n'aurait pas pu soulever la voiture, comment t'as fait ça? Elle a dit, j'ai pas réfléchi, pour moi, il était hors de question que mon fils meure. Je l'ai vu dans cet état-là, je n'ai pas réfléchi, j'ai soulevé la voiture, je ne me suis même pas posé la question est-ce que j'étais capable de soulever la voiture ou pas. Est-ce que c'est possible, c'est pensable ou impossible? Et c'est ce qui arrive. La majorité d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait? Avant même de démarrer, on dit oui, c'est impossible que je perde du poids. C'est impossible que je décroche ce job. C'est impossible que je donne cette promotion. C'est impossible que je réalise le voyage de mes rêves. Non! La limite, vous vous l'imposez. Vous avez démarré, vous, d'abord pour vous dire c'est impossible. En réalité, si ça se trompe, vous êtes capable de beaucoup plus. C'est juste que vous ne vous l'autorisez pas. Les raisons, je vais vous le dire, viennent en premier. Et les réponses viennent en second. Il y a aussi autre chose. Vous ne pouvez pas avoir des résolutions, les prendre le temps de les écrire, en début d'année, petites feuilles, les couleurs, très mignon, et puis de les mettre aux oubliettes et revenir 12 mois plus tard pour vous rendre compte que finalement rien n'a été fait. Mais non, je vous ai dit, il faut être obsédé. Je vais vous dire chez moi, j'ai un tableau, il doit faire 4 fois celui-là là, qui est derrière. Et dedans, moi, j'oublie l'aspect esthétique. Hein. Chez moi, à la maison, l'aspect esthétique passe en second. Dedans, il y a tous mes rêves, tous mes objectifs, d'accord, qui sont scotchés, collés à ce tableau. Tous les matins que le bon Dieu fait, comme je te dis, j'arrive, toi tu arrives dans ma vie, moi c'est moi qui arrive. Moi. Et en fait, je regarde tous mes objectifs et je me mets dans cette condition physique, de bonheur, de gratitude, comme si c'était déjà fait, comme si j'avais déjà réalisé tout ça. Le nombre de choses que j'ai réalisées, alhamdoulilah, est juste incroyable. Alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. C'était tous les matins, je me réveillais avec Plus j'étais dans cette dynamique, plus on peut qu'il voulait brûler. Et quand j'ai changé de dynamique, à commencer moi-même à positiver et à voir, à garder de vue mes rêves, ça a changé énormément de choses. Parce que c'est l'émotion qui drive notre vie. Vous savez, aujourd'hui, si vous posez la question à quelqu'un, est-ce que tu veux plus d'argent, il va te dire oui, mais en réalité, c'est pas l'argent qu'il veut. C'est l'émotion qu'il ressent quand il a de l'argent et tout ce que l'argent peut lui permettre de faire et de réaliser. C'est vraiment tout l'état émotionnel qui est important. Donc, la première des choses, c'est vraiment réviser et revoir tout le temps avec beaucoup d'émotion vos objectifs. Ils ont fait une étude auprès de gamins qui sont sortis de Harvard. Et ils les ont interviewés et bizarrement, il y avait 3 catégories de gamins. Les premiers, ils étaient là, ben nous on est sortis de Harvard, non, on n'a pas d'objectif, on n'a pas de plan de carrière. On est majeur de promo, on fait partie d'une des meilleures universités du monde, et les gens vont venir nous chercher. D'ailleurs, nous, on ne se déplace pas chez le recruteur, c'est le recruteur qui vient à notre université. Ok, très bien. Mais vous nous donnez l'autorisation de vous accompagner sur les 15 prochaines années pour voir où est-ce que vous allez arriver, votre parcours de vie, vous n'avez pas de problème. Les autres sont allés les voir. Alors, vous avez des objectifs, vous avez des rêves, des visions, vous le voulez. Alors, nous, on va sortir de là, on a postulé pour tel poste, dans 3-4 ans, on va ouvrir notre boîte, ensuite, on va être aidant, on va acheter ci, on va ouvrir ça, on va travailler. Très bien, alors, tous ces rêves, ces objectifs, vous avez noté quelque part? Non, on les a là, et c'est super. La troisième catégorie d'étudiants, quand ils sont allés les voir, ils m'ont dit, alors, vous avez des visions? Oui, bien sûr, et alors, ils sont, attendez, ne coupez pas, hop, et ils sortent un bout de papier tous, sur lequel ils mettent, ils ont mis toute leur vision détaillée, leurs objectifs détaillés, et ils les gardaient sur eux. 15 ans plus tard, ils sont revenus vers les mêmes personnes pour leur poser des questions et voir surtout qu'est-ce qu'ils ont acheté, qu'est-ce qu'ils ont réalisé sur ces 15 dernières années. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé est très simple.
ceux qui avaient les plus jolies voitures, les meilleurs postes, qui avaient le mieux réussi, qui avaient les meilleures maisons, les meilleures femmes, les plus beaux enfants, parce que la femme est jolie, et bien c'était la troisième catégorie, parce que eux, ils avaient complètement resté focus, ils étaient restés focus sur leur vision, ils n'avaient pas perdu de vue. D'accord ? Et notre cerveau, de toutes les manières, est habitué à être focus. Je vais vous donner un autre exemple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, nous les femmes, d'avoir envie d'un sac ? Et puis d'un coup d'un seul, dès que vous avez décidé d'acheter ce sac, là où vous allez, dans Canada, Paris, Los Angeles, vous avez l'impression que toutes les femmes ont acheté ce sac sans vous. Idem pour les hommes, parce que ça vous est déjà arrivé de vous mettre en tête une voiture. Et d'un coup d'un seul, vous avez l'impression que la ville entière circule dans cette voiture. Plus personne ne circule dans une autre voiture et vous n'avez même pas fait attention qu'il en existait autrement avant. Pourquoi ? Parce que votre système cérébral fonctionne beaucoup par système de sélection de focus. Quand vous mettez quelque chose en tête, il garde le focus, il vous dit « Ok, vous voulez ce sac, regarde, il n'y a que ce sac dans toute la ville, il n'y a que cette voiture dans toute la ville. » Et ça, c'est vraiment important. Je vais commencer à prendre les appels dans pas longtemps, donc je vous invite vraiment vivement à nous appeler. Et sur le numéro qui va s'afficher. Et pensez aussi aux trois règles. Les trois règles les trois règles vont se mettre en place toutes seules. C'est-à-dire, on me souffle ce que je dois dire. Les réponses, les questions doivent être courtes. Et ensuite, elles doivent être en relation avec le thème. On revient tout de suite, on me dit qu'on fait une petite pause, on revient tout de suite après. Bonjour, c'est Nehit Rached. J'ai la chance de me réveiller le matin sans mon réveil parce que c'est ma passion qui me réveille. Et vous savez quoi? J'ai la chance d'accompagner les gens pour deux choses. Régler leurs problèmes quand il y en a et les aider à gagner du temps. Si tu as dans ta conception la certitude que pour changer, pour obtenir des résultats, pour avoir des objectifs clairs et les atteindre, il te faut énormément de temps, bouge pas! Ce concept, il est pour toi. 3 minutes pour changer de vie, c'est mon challenge vis-à-vis de toi. 3 minutes pour changer de vie, c'est le timing que je me suis donné pour t'impacter, t'influencer avec mon cœur, avec ma passion, pour t'aider à changer de manière de voir les choses. Parce que des fois, ça tient à rien de changer un mot, une phrase, une histoire. Le lancement officiel est prévu pour le 7 novembre. Posez cette date sur votre agenda et notre rendez-vous, ça sera tous les mardis. J'y serai, j'espère que vous serez au rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous, attachez votre ceinture parce que ça va déménager. C'était Nehid Rached depuis Casablanca. Hederhua et Lehfdkou. D'accord, donc si j'ai bien compris, je pense qu'on a un petit problème de son, donc je vais répéter un petit peu ce que vous dites, comme ça les gens peuvent le comprendre. Vous ne vouliez pas faire les mêmes bêtises que 2017 et satisfaire uniquement Soukaina, c'est ça? Oui, Soukaina, la personne, donc revivre 2018 avec des objectifs qui sont bien clairs et avec bien. D'accord, et je ne vois toujours pas la question. Finis, je vois sous elle. Je pense que réaliser un équilibre entre professionnel et privé.
Ok. Alors, d'accord. Alors, je sais qu'il y a une roue de vis, ok, et tu as parfaitement raison, c'est-à-dire que la roue de vis fait à plusieurs paramètres. Fait à la famille, la communauté, la spiritualité, le climat, l'argent, les amis, les enfants et le mari, le chikoulo. D'abord, il y a toute une minute à t'aimer sur les parties de ta vie, Camille, à t'aimer une partie qui est importante pour toi, et pour te montrer comment tu vas faire pour tout le reste. Une, si tu devais en choisir une, tu choisirais quoi? La santé, très bien. Donc quand tu dis la santé, c'est par rapport à ton corps, c'est ça? C'est par rapport à mon bien-être. Je ne suis pas en bien, je n'ai pas de problème de santé. Et c'est santé. D'accord. Alors, moi je vais te proposer un process qui est juste fantastique. Il y a des corrections, je vous invite à prendre vraiment les corrections parce que c'est un process qui est juste magnifique. Alors, la première des choses, c'est ne pas se mentir et dire par rapport à ma santé, aujourd'hui, sous quelle heure est-ce que j'en suis? C'est-à-dire, est-ce que je suis satisfaite de ma santé? Oui, non. Non, à quel degré je ne suis pas satisfaite? Et pourquoi je ne suis pas satisfaite? Je me mets qu'est-ce qui manque? En gros, c'est comme si vous décrivez, j'ai pas d'énergie, je tombe souvent malade, j'en sais rien moi, je prends facilement du poids, je le perds difficilement, je me réveille le matin, je suis fatiguée, à la fin de la journée, je suis épuisée, j'ai souvent mal à la tête. Donc, vous décrivez votre réalité, Soukaina. Parce que déjà, la raison que vous n'avez pas un miroir en bois, vous avez un vrai miroir. Alors, ne vous mentez pas et écrivez noir sur blanc, pas avec un ordinateur, hein, parce que le cerveau ne comprend pas. Il ne comprend pas l'écriture sur ordinateur, on a été formaté avec l'écriture. Donc, c'est vraiment, ça active le système neurologique. Donc j'écris noir sur blanc ma réalité. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma santé? Qu'est-ce qui m'insatisfait dans ma santé? Où est-ce que je suis aujourd'hui? D'accord? Ensuite, deuxième étape qui est très importante et c'est là où ça devient intéressant, j'aimerais que tu me décrives chacun des rituels, les kadiri, les ustoukhel al-ham. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez dû faire pendant 2017, quand même, les ustoukhel. L'insatisfaction côté santé, oui ou non? Oui, mais exactement. Voilà. Donc, il y a des rituels qui, si tu dois les poser sur un bout de papier, pose-les sans te mentir. C'est comme une recette, tu sais, une recette de cuisine. D'accord? Tu sais qu'il a déterré le hamster. Affallah, un message. Quand tu vois que j'ai des rabbins, je me dis, ça s'appelle des rituels. Donc, le but, c'est de venir poser noir sur blanc, avec une feuille et un stylo, quels sont tous les rituels que j'ai mis en place en 2017 qui m'ont fait arriver à ce résultat de merde et qui ne me plaît pas. Ça, c'est l'étape numéro 2. Ensuite, il va falloir arriver à quelque chose d'intéressant qui est l'étape numéro 3. Qu'est-ce que je veux? Quelle est ma vision par rapport à ma santé? Si 2018 devait être ma meilleure année côté santé, à quel résultat je vais arriver? Et là, je veux que tu rêves, comme si le temps, l'argent n'étaient pas un problème. Comment serait ma santé? Comment serait mon niveau d'énergie? Comment serait ma dynamique? Comment serait mon rapport aux autres, etc. Donc, tu écris exactement le résultat auquel tu as envie d'arriver. Si tu devais m'appeler le FG, D'accord? Ça, c'est l'étape 3. Et pour finir, c'est l'étape 4. C'est quels sont tous les rituels, d'accord, que tu dois mettre en place à partir d'aujourd'hui pour y arriver. Et là, tu vas voir que ça va changer toute la vie. La majorité du temps, qu'est-ce qu'on fait? On ne prend pas conscience de ce qu'on a mis en place et qui nous a desservi. Regarde-toi un exemple. Si demain tu as la grippe, tu en es consciente, oui ou non? Oui, je sais que j'en sais quand. Pourquoi?
pas, parce que tu le vois, tu le sens, tu l'entends et tu le vis. Et tu le vis. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le taureau par les cornes, tu vas voir un médecin et tu passes à l'action. Oui ou non? Donc, tu fais une visite médicale, tu donnes un traitement, généralement, pour 3-4 jours, tu vas mieux. Oui? Un cancer, est-ce que c'est la même chose? Et ça te tue. Et non, et ça te tue parce que tu ne le vois pas. Tu as compris? Ce que tu ne vois pas te tue, Soukaina. Ce que vous ne voyez pas vous tue. Ce que vous voyez, vous pouvez changer. Un cancer, il vous tue parce que vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas vos cellules devenir malades. Vous ne voyez pas les métastases. Et quand vous les voyez, généralement, c'est déjà trop tard. Là, tes rituels, je suis sûre que tu ne les vois pas. Mais le fait de poser aussi l'autre chose et tous les rituels de merde que tu as mis en place en 2017, il va sortir un peu comme du stade du cancer au stade de la grippe. Tu vas commencer à les voir. Et ce que tu vois, tu vas pouvoir le changer. Ok? Donc, je prends chaque catégorie et je fais... Exactement la même chose. Voilà. Mais commence par au moins un. Une catégorie. D'accord? Ok? Est-ce que ça a répondu à ta question? Oui, merci beaucoup, madame. Elle est très gentille. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, on va continuer à prendre des appels. J'adore l'interaction. Aujourd'hui, le son, je pense qu'il n'est pas super bon. C'est pour ça que je vais commencer à répéter ce que les gens me disent au téléphone. On a eu un petit problème technique de son. C'est pas grave. En tous les cas, on est là, toute l'équipe, avec toute notre joie, notre passion et puis tout ce qu'on a préparé pour le partager avec vous. Si vous connaissez des personnes maintenant qui sont en train de lâcher leur résolution déjà parce qu'on est en moitié de mois de janvier, eh bien, taguez-les. Partagez ce live avec eux et vous-même, si vous aimez jusque-là le contenu du live, franchement, likez. Et là, on va prendre Ibtihel de Oujda. Allô? Oui, Ibtihel, ça va? Alors, je reçois Ediel. Tu n'arrives pas à travailler, tu es démotivé. Je voulais que tu aies tes bras quand tu as tes bras. Ah, c'est-à-dire quoi? À chaque fois que tu voulais se tu es démotivé. Ok. Alors, fais-je te remettre bizarre, un petit hé. Et je connais déjà la réponse, mais j'aimerais que tu testes pas la réponse. Que tu remettes bizarre, sors-tu les fenêtres? Bien sûr, ça va. J'ai une fenêtre que tu vas te faire avec vous, j'en ai pas. Voilà. Donc, chauffe le cerveau, quelqu'un, j'ai hâte de dire ça, elle crée à ton ami, qui monte, elle a hâte de dire ça. On dit, كل نهار العصا والزروطه اللي هي خلعه ديال السقوط كيفاش بغيتي هاد الدماغ ديالك ما شاء الله عليك ينوض ويقفض معاك ويحاول يوصلك الهدف ديالك و تيجي بها لي الزروطه ديال ناري و تسقط عرفتي شنو يوقع لك الصقاع المشكله البلاصه اللي ركزتي عليها هي اللي كتوصلي ليها غنعطيك واحد المثال واش عمرها وقعت لك شي ضربه بالمري شحال هادي ما مرتش في الصوم ما مرتش اش كديري كتمرضي الله يرضي عليك بعد مرة كتقولي لي شحال هادي ما ضربني راسي والله الحمد لله صافا بوكو مش كيوقع لك كيضربك راسي يعني كتأيدي هاد الشيء Pourtant, malachez ou après, c'est comme ça que le cerveau, c'est comme ça que le cerveau il fonctionne. L'âge, elle dit que tu as dit, qui je l'ai. Or, on dit, il y a le programme, il y a un truc, vous dites, il y a un bêche, le chéra, au soro, au blé, il y a des motivations. On doit aller sur un ou d'un. Quand tu es cinéma, tu es ça t'arrive? Quand tu es cinéma, quand tu fais du FN, ça t'arrive bien?
عمرك تحتاج حتى شي فيلم وي لحات ولا حاله وما في ما يتلطخ؟ ياك صايم كتبقاي اختي تشوفيه كل نهار؟ وعلاش؟ وعلاش؟ ما كتعاودش تولي تفرجي فيه. وعلاش اختي؟ حيت ما فيه ما يتفرج. من يا اختي هذا الفيلم انت اللي كتعاودي على راسك ما فيه ما يتلطخ؟ ناري غنسقط، ناري جيت في الديموتيلي، ناري ما ناشي في المستوى، ناري ما غاديش نقدر نستمر. من هذا الفيلم دلويني ما صالحك ما نافعك وما زدتش، من اختي كتدوزي ستين كل نهار؟ دخلت عليك بجوال. شوفي اوني لو ريزولتا ديال القصه اللي كنعاودو على راسنا، اوني لو ريزولتا وكنجيبو الفيلم اللي كندوزو في الدماغ ديالنا كل نهار. كدوزي فيلم دلوي حياتك كتكون دلوي ولا رياليتي ديالك دلوي. كدوزي فيلم ديال الفريق كتولي حياتك الفريق ولا رياليتي ديالك ديال الفريق. مانو السؤال اللي عندي ليك، اشنو بغيتي؟ الوغ شفتي لا ديفيرونس؟ المرة الأولى هضرتي معايا قلت لي ما بغيتش نسقط، خايفة نسقط. دابا ملي قلت لك أشنو بغيتي قلتي بغيت ننجح. إسكو ديجا في الطاقة ديالك حسيتي بالفرق ما بين ما بغيتش نسقط وخايفة نسقط وبغيت ننجح؟ كاينة لا ديفيرونس. ألوغ غنعطيك أنت في إكزارسيس غديريه كيما كنقولو عندنا حنا ضربة ولصقة، كتعرفي ضربة ولصقة؟ ألوغ غنعطيك ورقة وستيلو، اللي جاني بدا ورقة وستيلو راك بزاف، جيبوا لي ورقة وستيلو. غتاخدي ورقة وغتكتبي ليها كاع هاد ليستوار ديال ويل، هاد الفيلم المخرجة ديال ويل اللي عندك خدامة معاك على طول، خليها تكتب لك كاع الفيلم اللي كتعاودي على راسك. غادي نسقط وما ناشي في المستوى وما عنديش لا موتيفاسيون وما غاديش نستمر وغيوصل العام وغنفرج وغادي يجريو عليا وطاطاطا كاع داك الفيلم ديال ويل حطيه. يا كودي غتكتبي ليا فيلم بحال اللي عاد خدمتي معاك مخرجة الفريق جايباها من بوليوود ولا من هوليوود ولا من ما بغيتي، اللي غادي تكتب لك واحد الفيلم ديال غاتمشي ماشي تتفرجي فيه كل نهار، تالمو كيعجبك وتالمو كيحمسك وكدوزي ستين تا نون ستوب. سيتادير كو لو فيلم ديال لو فيتور بغيتك دوزيه افيك لو نيفو دو ساتيسفاكسيون ديالك 10 على 10 ان تيرم دو ريزولتا اللي غاتوصلي ليه. جو ميكسبيك، الحمد لله انا في المستوى وكابا وعندي الذاكره ديال الفريع وكندخل الدار ناشطه وعندي واحد الاستمراريه خياليه والنقط اللي كنجيب ديال الفريع اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. ملي غتسالي هاد ليطاب الورقه الاولانيه اللي كتبتي فيها الفيلم دلوي غتغطيها جوج الحوايج، يا تحرقيها يا تلوحيها في الدار ونزل داكوغ. مي واحد الاحساس انا نعطيه لك باش غتفهميني مزيان، عرفتي الاحساس ديال ملي كتقولي نطحطح وندق الدار وكتمشي للحمام بلدي ولا تحيدي الطليه ديال الوسخ؟ Bonjour, c'est Nehid Rached. J'ai la chance de me réveiller le matin sans mon réveil parce que c'est ma passion. كل نهار كتبقى تقولي ليها وانا كابابل وكيقول لك الشيطان حضر الايمان. منين جاتك اختي منين جاتك كابابل وليتي احسن وحده ديموتيفي في العالم، كتبقى تقولي لا ما فهمتينيش انا موتيفي انا كابابل. انا كتبقاي عليك كما كنقولوا حنا البري بحال الدراري الشامبيون دي مونديال البري شكون؟ شكون هو الشامبيون دي مونديال البري اللي كيبقاو يبردوا يبردوا حتى كيوصلوا لحاجتهم؟ هما لي زونفون ياك ولا لا؟ عمرك شتي شي دريلي كيستسلم مي كيبغي شي حاجة مع الوالدين؟ جامي. وكيوصلو لحاجتهم ولا لا؟ إي بس لا ميم شوز، هادشي لي غديري الدماغ ديالك غتبقاي عليه بلا بريد بلا بريد بلا بريد تا وكان غيستسلم غيقولك صافي مكاين تا مشكل. ألوغ غنطلب منك حاجة وحدة، أن تنطي ليا سيبيان ديري هادشي لي كنقولك سيميو، متثقيش بكلمة وحدة بحق ديالي. إي بالنتيجة غنطلب منك تصيفطي لنا فغيمون أن ميساج أون إن بوكس sur Facebook pour nous dire voilà parce que je veux avoir aussi des témoignages farhouni ta ana hita ana ma عنديش اكثر من الفرحه ملي كان هكا جاكوبان كيلكان كيدير شي حاجه وكتجيب له النتيجه. دونك ما تبخليش علينا كما سام ميم طون تيمونياج غنحطوه سو لا باج فيسبوك غادي يحمسوا حتى دو بيرسون اللي عندهم لا ميم بروبليماتيك كو من هذا انت فيها عندك حسنه جليله صافي. Est-ce que tu as cette question elle a répondu هذا l'accompagnement il a répondu à ta question.
Eh bien, super, tu vas clouer, tu vas clouer, et à bientôt. Voilà, donc je m'excuse, je sais que le son n'est pas très bon. Pour une raison que j'ignore, caméra net, le son marche. Pourtant, on a les têtes belles, coucher le vieux marche, ça arrive. Donc, l'apprentissage, on va peut-être avoir deux micros pour voir la gérer. J'étais le head d'Anna du chichi, on aura le deuxième qui va marcher. Continuez à nous poser des questions et continuez à nous envoyer vos appels. Et je vous fais un plaisir d'y répondre. Alors, on a Zineb de Casablanca. Bonsoir Zineb. Ça va? Je suis Casablanca, très bien. Alhamdulillah. Alors, j'aime bien, tu as commencé par très bien, mais tu t'es fait hier. Je vais venir doucement. Alors, c'est quoi votre question, Dine? Alors, madame Nani, elle est là. En fait, ma vie, elle n'a pas de goût. D'accord. Mais vraiment, j'ai l'impression que je ne vis pas. Ok, à quel moment tu as décidé que ta vie n'allait plus avoir de goût? Quand est-ce que tu as, fait cette, tu as pris cette décision? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé il y a un an? Il y a un an, je ne sais pas, je dis un nouveau travail. Et puis, je suis dans ma responsabilité. Et qu'est-ce que tu veux maintenant? Je veux changer ma vie, mais vraiment j'en ai marre. Et vraiment, j'ai une grande besoin de changer ma vie. Ok, donc. Comment le faire? Voilà. Je ne sais pas. Tu veux changer ta vie, tu en as marre d'être dans le mental, mais qu'est-ce que tu as fait pour changer ta vie, Viviane? Merci pour ton honnêteté, Zineb. J'adore. I love. J'adore. Et bien, ça, tu vois, c'est bien. J'aime le fait que tu sois honnête. Ça, c'est le principe premier qui met les gens en échec. C'est continuer à faire la même chose et espérer du changement. Tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle la loi de la folie. Quand tu as dit que 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 tu ولكن barrière du changement. Non. Maintenant, je vais te poser une question. Peut-être que tu n'as pas suffisamment de motivation. Ton why n'est pas très profond. Je m'explique. La fois dernière, quelle est la chose la plus importante pour toi aujourd'hui? C'est tes amis, c'est ta famille. Qu'est-ce qui te manque le plus? Honnêtement, ma famille, je suis entourée par ma famille, c'est l'île. D'accord. Alors, je vais te raconter l'histoire d'une dame, d'accord? Et je pense qu'elle me rappelle un petit peu ce que tu viens de dire. Elle est venue me voir en me disant, voilà, j'ai le poste de mes rêves, je suis très bien, j'ai réussi à avoir toutes les responsabilités, j'étais à la hauteur de toutes les responsabilités qu'on m'a données, etc. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai pas d'amis, je suis seule, je ne me sens pas bien. Et là, je viens de rencontrer un homme, je suis très heureuse avec lui, mais j'ai tout le temps peur. Peur de le perdre. Et je la regarde. Mais je lui dis, mais comment tu peux avoir peur de perdre quelqu'un alors que ça fait un moment que tu es seule au monde? Et elle m'a regardée en me disant, oh,
j'avais pas réalisé qu'effectivement le prix que j'ai dû payer pour arriver là où je suis arrivée, c'est de me couper du reste du monde, et que ça fait un moment que je suis seule au monde, parce que je ne sociabilise pas, parce que je ne sors pas, parce que je ne donne pas du temps à d'autres choses, à d'autres personnes, à d'autres activités, et que finalement, c'est vrai, je me sens un peu seule au monde. Ce qu'il faudrait faire, Zineb, c'est juste que tu prennes conscience que quand tu fais quelque chose, il y a toujours un prix à payer. Donc, il y a un de l'ouahedzé qui se voit là. Donc aujourd'hui, tu sais, ce que je te propose de faire, c'est de savoir juste où tu en es. Pour savoir où tu en es, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu ne peux pas savoir où tu en es et ne pas avancer. Enfin non, je vais le dire différemment. Tu dois savoir où tu en es pour pouvoir avancer. D'accord ? Alors ce que je te propose, c'est de vraiment te poser les questions suivantes. Si je continue comme ça, faire la démarche, qu'est-ce que je gagne ? Qu'est-ce que je perds ? Mais tu y vas franco, qu'est-ce que je gagne ? Faire la position, je gagne un statut social, je gagne un bon salaire, je gagne la reconnaissance du climat, je gagne. Mais qu'est-ce que je perds ? Je fais plus d'activité, je suis souvent fatiguée, ta. Et le contraire, hein ? Et maintenant, il faudrait aussi faire le contraire. Si je continue comme ça, c'est-à-dire si je continue comme ça, qu'est-ce que je vais perdre? Mais si, au contraire, je renonce, qu'est-ce que je gagne? C'est-à-dire si je renonce à consacrer autant de temps à faire des rythmes, etc., qu'est-ce que je risque de gagner? Et tant que tu n'as pas un why fort, est-ce que c'est parce que le rythme ça t'apporte de la reconnaissance et que la reconnaissance est capitale pour toi? Est-ce que parce que le rythme ça t'amène de la sécurité? Ouh là là, j'ai la sécurité, après demain j'ai quelque chose de stable, etc. Tant que tu n'identifies pas qu'est-ce que ça t'amène, ben, tu ne peux pas savoir qu'est-ce que ça te coûte. Et donc. Ça aussi, c'est une jolie histoire que tu te racontes. Regarde comment elle te sert bien. Elle est magnifique. C'est une histoire bien vraie. Dire une vie dans une hypocrisie sociale, je vais perdre mon temps, à quoi ça sert? En fait, tu es dans une forme d'aquabonisme qui ne te sert pas. Le but, c'est de savoir qu'est-ce qui te sert. Qu'est-ce qui va t'amener du bonheur? Qu'est-ce qui va te reconnecter avec ce qui est important pour toi? Mais vraiment, fais cet exercice juste pour te dire si je continue comme ça, qu'est-ce que ça va me... Où est-ce que ça va m'amener? Et si j'arrête de faire ça, qu'est-ce que ça va m'amener? Et tout de suite derrière, de mettre une première. À la limite, si c'est trop violent d'être avec les autres, écoute, comment tu veux que les autres t'aiment? Comment tu veux que les autres te respectent? Comment tu veux que les autres te voient si toi tu ne t'aimes pas, tu ne te respectes pas et tu ne te vois pas? Alèche, Zine, ma chrisse avec à ce point, il m'a qu'à te rendre, je fais là où on place un truc maintenant. Alèche. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Pourquoi tu prends pas soin d'elle? Et pourtant, t'as tellement bien, regarde où t'as fermé. Une voiture, même une voiture, quand tu l'as, là, que t'es là, la révise. Que tu m'offres la roue. Mais qu'elle voulait te faire quelque chose qu'elle visite au moins. Oui ou non? C'est vrai, oui. Eh bien, qu'est-ce qui t'empêche de faire la même chose pour Zineb? Ça, c'est les bonnes questions à te poser. Ok? Ok, ça marche. Ben écoute, ça a été un plaisir de parler avec toi, Zineb. C'est en fait un plaisir à partager et merci énormément pour cette émission. Avec grand plaisir, à très très vite. Et si tu as du résultat, tu nous envoies un petit message en inbox, hein? Ok.
Ça marche. Avec plaisir, au revoir. Alors, on continue, on est encore là, je ne sais même pas quelle heure il est. J'adore être en interaction avec vous, j'adore pouvoir interagir avec vous. Si vous avez des questions, je suis là encore pour quelques minutes. On va prendre quelques appels encore avant de... Voilà, on me dit qu'il est 19h22, on a encore pratiquement 10 minutes, tout va bien. Alors, là, je prends Zineb, on est fidèle à Zineb, Zineb de Rabat. Alors, bonsoir Zineb, comment ça va? Alors, c'est quoi ta question, Zineb? Alors, ma sma3tch l'ewwel dial ta phrase, smahli lia, qulti enti mta3alqa bach bqraytek. متعلقة بهذا كيسون ما فهمتش تفسري لي شنو بغيتي تعني متعلقة بالذاتي وي Mais dans quel sens? J'ai pas compris la relation du business, on va te dire. كو مشغوله اولا الله يكون في العون كتحسي بهادشي بحال اللي شي رافق بحال اللي شي لو مانك دو ريكونيسونس ياك ياك سي سا داكور Bonjour, c'est Nehid Rached. J'ai la chance de me réveiller le matin sans mon réveil parce que c'est ma passion qui me réveille. Et vous savez quoi? J'ai la chance d'accompagner les gens pour deux choses. Régler leurs problèmes quand il y en a et les aider à gagner du temps. Si tu as dans ta conception la certitude que pour changer, pour obtenir des résultats, pour avoir des... C'est bon? C'est bon. Ça a fait? Alors, tu me donnes le jeu. Ok, on reprend. Zineb, donc, il y a un peu de temps. ما كتبقاش تلقى فراسك تولي اي لحظه تبكي ياك سي صح الوغ ساكنه بوحدك ولا مع والديك زينب مع والديك تخي بيان عندك سوات ديال الدار بيان سور ايفيدامون علاش اختي هذوك سوات ديال الدار الا قلت لك تخليهم ليا عافاك تعطيهم ليا لا نقول لك غتخدم عندي دايما للابد فيما تقدر تجيب تخلي دار وتجي لعندي البيرو لقيتيني من بعد مزعود ما لقيتينيش الله يسامح علاش لا؟ حيت داركم واخا نرغبك اي بورتو هاد السيده اللي كتهضر معايا هاد زينب اللي كتهضر معايا ماشي زينب اللي كتهضر قبيله شكون هاد زينب؟
يعني لما جات ليدي مختلفة على ديك الخضرة ديال القبيلة، وانا مسكينة وانا مظلمة وانا اللي ضربوني وانا اللي لاحوني وانا اللي ما هضروش معايا، هذه بصمة قالت لي لا ما نعطيش. قلت لها واخا ضربوا، قالت لي لا ما نعطيش. شنو الفرق ما بين هاد الزينب والاخرى؟ تري بيان، الوغ غنستلك شتي سويتيت غندير لك واحد الرمز بحال السعادة. السعادة ديالك بحال هادوك السويتات ديال الدار. لا يعقل زينب تعطي السعادة ديالك شي أستاذة ولا مشة ولا كلب ولا تران ولا طوموبيل ولا تا راجلك ولا تا ولادك. شتي كيما وقفتي ودافعتي على داركم دافعتي، لا 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 سمحي لي يا دار ما نعطيكش السواد صباطا ولا شنو؟ لا اختي سواتي بجيبي. إبا السعادة ديالك سي لا ميم شوز، ولا عطيتي سواد ديال السعادة ديالك لشي واحد اللي جا غيبقى يلوح فيها بحال شي بحال شي كورة، غدوزي من رجل لرجل. إي سي با دي تو. إبا هاد 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 زينب هادي هاد خليها ليه وجبدي ليا هادي هادي اللي قالت ليا لا ما نعطيكش سواد. لا اختي قلتيها لي ثلاثة المرات، ثلاثة المرات قلتي لي لا، دونك كتقدري تقوليها كدابة حيت ثلاثة المرات قلتي لي لا، دونك كتقدري تقوليها. ما كاين ما كاين باس ما كاين باس، ليسونسييل كي توعي بما راه سي بوسيبل كتقولي لا، اي كو السعادة ديالك زين ما راه غير ما يعطيها لك لا 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 شمش لا شتا لا أستاذة لا باك لا مك لا والو، سوات ديال السعادة كتبليهم نتيا وما تحتاجيش شي واحد يعطيك شي حاجة عطيها لراسك. سمعتيني؟ حيت إلا ما عطيتهاش لراسك فاقد شيء لا يعطيه، ما يمكنش ما يمكنلكش تطلب من الناس يعطيوك شي حوايج وانت ما عطيهمش لراسك. واش انت يا سواد ديال دارك ماشي في جيبك وتبقاي تالاي من رجل لرجل من بنادم بنادم ترغبي وتزاولي وتبوسي يدين ورجلك باش يعطيوك سواد ديال دارك باش تدخلي مني تدخلي تجيب المدرسة؟ ما يمكنش. سواتك راه كديرهم جيبك كتقولي لي كيما قلتي لي قبيله ولا ما نعطيكش سواتي، مي سي لا ميم شوز. وجوردي جوست توعي بما لو بونور ديالك راهي من ديبون لا بالقرايه لا بالاستاذه لا بوالو. اي سي با غراف الا قلت لك كولي في ما غاتاكليش، ولكن الا قلت لك كولي بدغما بدغما تاكليه ولا لا؟ ايوا هو هذا. انا بديتي معايا ثلاثه ديال لا، ياي سي ديجا سوبر. ثلاثة ديال لا بوغ كيلكان كي ني با كابابل ديغ لا سي ديجا سوبر. اليوم قلتي ثلاثة ديال لا، غدا غتقولي أربعة، بعد غدا غتقولي خمسة، حتى واحد النهار غتقولهم لا على طول. اوكي زينب يلاه تبارك الله عليك. Allez, on prend le dernier appel, c'est un appel de Floride. Miami, yeah! USA! Je suis très contente. On me suit des États-Unis, c'est super. Allô? Allô? Oui, madame. Oui, Nadia. Oui, madame. Bonjour, avec Nadia. De quelle ville tu es de Floride? Fayette. Orlando, super, les parcs d'attractions d'Orlando. C'est quoi ta question, Nadia? Merci, بارك الله فيك. بارك الله فيك، شكرا على التوش. ميرسي انا شتي هاد لي كومبليمون هكا لا فيريتي كنت دابور كنحمد الله وكنشكرو باسكو كيجيني كادو ديال الفريق اي بي لو فات دو سونتير كو كان الحمد لله التواصل اللي بيناتنا كيخليكم غير تزيدوا واحد طري ديقه قدام ما سي موي با كو مو ميم لي كيب كنا كنكونوا فرحانين فريمون. الو سي كو تا كيسيون؟ Donc, je vais vous faire un petit peu de temps.
داكشي علاش كنقراو في البيت كيدوزو الناس اللي كيبغيو ما كيفهموش العربيه عاود كيبغي الناس اللي بغينا الفرنساويه دونك انا دايره خاطركم كامل دايره خاطركم كامل دايره القهوه وحليب نص نص Alors, ce qu'on a vu ensemble,
pensée éthique et d'autre, la Wal Misriyin, par rapport à ce que je vais partager avec vous pendant le séminaire. Je suis hyper super heureuse, on a eu plein d'inscrits, alhamdoulilah, pour une première édition. On s'est lancé hyper en retard, mais on s'est dit c'est pas grave, on a fait une décision commune, Flatim, on a dit c'est pas grave, on a posé une date, hier, là, on va le lancer quand même. Pendant ce séminaire qui est voyant, réalisé grand pour ceux qui le savent, ça va se passer le 27-28 janvier à Casablanca. Et on va se concentrer sur tous les problèmes des cultures. Qu'est-ce que je peux faire? D'abord, où je suis? Quelle problématique je vis? Quels sont les rêves que je n'arrive toujours pas à réaliser? Quels sont les objectifs que je n'arrive toujours pas à atteindre? Savoir qui je suis et qui je dois devenir pour réaliser ce que je veux réaliser. Et dans le process, je vais partager avec vous toutes les astuces, les recettes magiques qui ont marché pour moi, tous les apprentissages que j'ai eus avec tous les experts, et surtout vous allez sortir avec une boîte à outils qui va vous rendre, Inch'Allah, bi'idhnillah, autonome. J'ai hâte de travailler avec vous, j'ai hâte de passer ces deux jours avec vous. On vous a préparé un programme avec une équipe exceptionnelle et ça sera vraiment une expérience unique. J'espère de tout cœur que vous allez vous faire ce beau cadeau pour investir sur vous avant d'investir sur le travail, comme dit Neb, avant d'investir sur des choses matérielles qui ne vous le rendent même pas bien. Quand vous investissez sur vous, c'est le meilleur investissement que vous faites parce que vous avez un retour sur investissement génial pour vous, mais pas que pour vous. Vos proches, vos familles, vos amis, etc. Notre prochain live, Inch'Allah, ça sera le 8 février. On baignera dans l'amour. On va parler du couple. Je reviens, moi, d'une formation avec Tony Robbins de Date with Destiny où c'était exclusivement, grosse partie en tous les cas, dédiée au couple. J'ai appris énormément de choses et je pense que mon premier séminaire, le prochain séminaire, ça sera sur le couple. Donc, je vous donne rendez-vous. On a un petit peu débordé sur le temps, c'est pas grave. En tout cas, j'ai eu beaucoup de bonheur à être avec vous. Merci pour votre support. Merci de nous avoir permis de lancer ce premier live, ce premier live de Al-Nahid. Je vous dis à très vite. Hadawa, katma'akou Nahid Rachel, et zlaïkoukou.